I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. Voilà, donc on est comme d'habitude sur le site Zeberf, hein, c'est toujours le top. Donc, puissance maximum, 510 chevaux. Donc en kilowatts, on est à 375 kilowatts et 650 newton-mètres de couple. 170 chevaux par litre, 217 newton-mètres par litre. C'est plutôt pas mal. Hein. Là, on voit propulsion plus autobloquant, donc ça c'est la transmission, boîte de vitesse à 8 rapports avec mode séquentiel et le célèbre train planétaire. Comme on a vu dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué un peu ce que c'était. Un peu, c'est compliqué à expliquer, mais voilà, j'ai expliqué dans les plus gros. À l'avant, disque ventilé, percé, acier, étrier, fixe 4 pistons. Freinage en encore léger. Disque ventilé à l'arrière, percé, acier, fixe, 2 pistons. C'est un peu malheureux. Donc le poids annoncé, on a 1730 kg. En Union européenne, on est à 1805. Bon, c'est quasiment la même chose. Le rapport poids-puissance, 3,6 kg par chevaux. Prix de base, 102 000 euros. Elle a légèrement évolué en 2022, donc un an plus tard, elle est à 107 000. Bon, après, ça reste indicatif, hein, tout ça. Le prix, le tarif reste très indicatif. Puissance fiscale 41 chevaux, année de lancement 2021, ça on l'avait vu. Donc 510 chevaux, coupe maxi, on l'avait vu, 650 Nm. Le poids annoncé, c'était bon. La vitesse maximum, 250 km/h, évidemment, c'est limité électroniquement. C'est toujours un peu malheureux, mais on est en France. On va aller se voir un peu l'occasion. Voilà, direction la centrale. On est à 102 000 euros de prix de départ. Donc là, on est à 97 000, 89 000. Bon, évidemment, c'est un véhicule qui a 3 ans maintenant. Ça n'a pas baissé fou. On va regarder un peu. On va regarder la moins chère, donc celle-là. Pour voir ce que ça nous dit. 30 000 km. Voilà, vraiment propre. Donc 30 000 km, nombre de portes, 4 portes, 5 portes avec le coffre, toujours, mais bon. Consommation du litre au 100. Ouais. Donc équipement, système audio, écran tactile, 7 airbags, ESP, airbag, rideau, bouton de démarrage, contrôle de frein en courbe. Ça, c'est tout. Ah ouais, c'est toutes les options, ça. Bon, les options, ça va dépendre de ce que vous voulez acheter. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. En photo, on peut se voir un peu les photos. Ouais, elle est propre. Hein. Après, c'est un véhicule très récent. Critère 1. Les feux sont magnifiques. C'est tout en carbone. Ouais, c'est pas mal. Beaucoup de touches carbone, les écopes de pare-choc avant, carbone. Sièges baquets, ils sont magnifiques. Ils sont juste magnifiques, les sièges. Alors, même à l'arrière, c'est plutôt pas mal. Intérieur, cuir blanc et carbone et noir. Alors, si je ne me trompe pas, c'est cuir blanc, carbone et alcantara.
Ouais. Console carbone avec le petit M3 compétition. Ah, le dos des sièges baquets carbone, c'est magnifique. Ah, je crois que je montrerai personne derrière histoire d'avoir peur de les abîmer. Ah, elle est pas mal. Alors, tableau de bord. Il est intéressant. Il n'est pas très très moderne. Je le trouve pas en termes de forme. Et il y a bien le cockpit, l'autoradio sur le côté avec les caméras de recul, tout ça. Niveau forme, je le trouve pas très très moderne. On va passer là aux critères. Qu'est-ce que ça dit en termes de critères? On est en critères, hein. Voilà. Un petit launch pour voir un peu ce qu'elle a. C'est parti. Deuxième. On a vu ensemble BMW M3 G80. Alors j'espère que ça vous a plu. Je suis chaud pour faire la M4 compétition. Donc là c'est la M3 compétition. Je suis chaud pour faire la M4 compétition. Vous devez voir. Laissez-moi en commentaire si vous êtes intéressé. Allez, salut!